Il y a beaucoup de petits ou de gros mots sur lesquels on n'ose pas toujours mettre des mots. Parce que c'est intime, parce qu'on pense que c'est un peu sale, parce qu'on a peur du regard de l'autre, professionnel ou pas. Bénin, ils gâchent un peu la vie. Plus grave, ils peuvent évoluer en maladie à surveiller. Ces questions gênantes, vous nous les envoyez et c'est nous qui les posons à votre place à des médecins qualifiés. Questions gênantes, proposées par l'application Livy, le centre de santé digitale qui vous permet de consulter un médecin en téléconsultation. Leïla aimerait arrêter les tampons car elle a peur du syndrome du choc toxique. Elle est tentée par la cup, mais elle a peur que ce ne soit ni hygiénique, ni efficace. Nous avons posé la question au docteur Aristizabal, gynécologue à Paris. Pour ce qui est du choix des protections hygiéniques, donc effectivement aujourd'hui il y a, on ne va pas dire une mode, mais un intérêt prononcé pour la cup, pour plusieurs raisons. L'aspect écologique est relativement important, l'aspect économique également. Mais la cup, ça va vraiment demander une hygiène supplémentaire, puisque ce n'est pas un dispositif à usage unique jetable, c'est quelque chose que l'on va réutiliser, donc il faut être très rigoureux concernant l'hygiène. Le risque, donc on parle aussi assez régulièrement du choc toxique. Donc qu'est-ce que c'est le choc toxique? C'est en fait le staphylocoque doré qui est présent chez certaines femmes, ce qu'on appelle un portage asymptomatique, chez presque 10% des femmes, donc c'est pas anodin. Donc c'est des dames qui vont très très bien, qui ont cette bactérie, et totalement asymptomatique. Ce qui se passe, c'est que, pour des raisons que l'on ignore parfois, cette bactérie va se mettre à sécréter une toxine, et c'est cette toxine qui va provoquer le choc toxique, avec une défaillance multi-organe, et des patients qui vont parfois aller jusqu'en réanimation, avec des séquelles parfois très 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 lourdes, comme on a pu voir dans certains médias, avec des amputations, des choses vraiment inquiétantes et très graves. Donc c'est pour ça qu'on en parle beaucoup, c'est relativement rare, heureusement. À titre d'exemple, il y a une vingtaine de cas par an en France, donc c'est quand même quelque chose que l'on voit de temps en temps et assez constant chaque année. Pour ce qui est de la cup, on a cru pendant longtemps que ça protégeait du choc toxique, que le choc toxique ne concernait que les utilisatrices de tampons. Or, ce n'est pas le cas. Il y a eu un cas en 2015 au Canada de choc toxique sur une utilisatrice de cup. Ce qu'il faut pas oublier, c'est que il y a très peu d'utilisatrices de cup par rapport aux utilisatrices de tampons. Donc, soyons vigilants et encourageons les patientes et les femmes qui veulent utiliser des cups à être très rigoureux sur l'hygiène, donc l'hygiène des mains, et la stérilisation mensuelle de la cup qui doit être faite, il y a plusieurs méthodes, soit au micro-ondes, soit à la casserole, donc c'est la cup qui doit être mise dans l'eau bouillante pendant 5 minutes. Il y a plein de marques différentes qui vendent aussi leurs produits spécifiques pour nettoyer la cup quotidiennement, en dehors de la stérilisation mensuelle. En fait, le choc toxique, c'est vraiment que le corps ne fonctionne plus du tout comme il faut. Donc c'est vraiment la toxine qui va faire que le corps va se retourner contre soi-même. Donc tous les organes, l'un après l'autre, vont dysfonctionner. Ça va très très vite le choc toxique, ça se fait en quelques jours. Donc c'est vraiment 24-48 heures, une évolution rapide, on se sent pas bien, comme un syndrome grippal. Puis on fait pas forcément le lien, et ça arrive lorsque le tampon est oublié, plusieurs heures, plus de 8 heures. C'est pour ça qu'on déconseille de porter les tampons au-delà de 8 heures. Idem pour la cup, c'est vraiment l'un des facteurs favorisants très très souvent retrouvés. La bactérie aimant être dans des zones humides, qui va proliférer plus vite, et dans un pH plutôt neutre, alors que le vagin a un pH acide. Pour conseiller les patientes, je dirais plutôt déjà qu'elles utilisent le moyen avec lequel elles sont le plus à l'aise. Le côté intéressant de la cup, c'est le côté écologique, réutilisable, économique. Le problème de la cup, c'est que parfois, c'est pas pratique. Donc, lorsqu'on est, par exemple, en extérieur, dans un lieu public, aller nettoyer sa cup, c'est pas évident. Même si aujourd'hui, il y a des produits pour ça, il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits, mais c'est pas toujours pratique. Je dirais que, tant qu'on n'a pas essayé, on peut pas vraiment se faire une idée. C'est comme beaucoup d'autres choses, comme la contraception. Donc, s'il y a un intérêt et une curiosité et envie peut-être de changer, bah je pense que j'encourage les dames à vraiment
aller dans ce sens et d'essayer. Mais après, je suis pas ni pro cup ni pro tampon, mais en tout cas, les deux ont leurs avantages et leurs inconvénients. Les serviettes hygiéniques, c'est plus pour les dames qui n'ont jamais eu de rapport, qui ne sont pas à l'aise avec le fait d'introduire quelque chose au niveau du vagin, pour aussi certaines dames qui n'ont pas des flux très abondants et à qui ça va très très bien. Donc les serviettes hygiéniques, ça fait l'affaire sans problème. C'était Question Gênante, le podcast qui consulte à votre place, proposé par Livy, le centre de santé digitale qui vous permet de consulter un médecin en téléconsultation, et produit par Slate.fr. Retrouvez-nous sur Slate.fr ou votre application de podcast préférée. Si ce programme vous a plu, laissez un commentaire, ou mieux, mettez-nous 5 étoiles.